Les Berjalmi, attention, c'est important, phase très importante pour eux. Toulon toujours à 14. Et Mickaël Faure, est-ce qu'il va reprendre ce ballon? Il y a un appel extérieur, ils sont beaucoup à l'extérieur. Il y a un petit temps d'avant peut-être. Si c'est la passe. Il y a en arrière, il n'y a rien du tout, ça joue. Et la pénalité qui va être remise par Monsieur Berdos, ouais, qui a signalé un petit en avant. Et je crois que David Janin, sur le coup, a chargé. Hein. Il est resté au sol. Non, il y a la pénalité, il y en a un avant juste que tu vas ramasser. Et là, c'est un début de match plutôt convaincant de l'équipe de Bourgoin. Et bien libéré pour Cibré. Ça monte en pointe sur Kantepomi. Oumaga, qui n'a pas regardé à droite, qui a directement utilisé son pied. Ouais, il va falloir être costaud. Boyer. Oh, Boyer, on l'avance sur la récupération. Bien pris. Et M. Berdos qui va revenir. Bah, il y a eu un en avant repris aussi, là, non? Oui, je pense qu'il il est un petit peu énervé parce qu'il dit à Elab de ne me parler pas. C'est vrai que je pense que M. Berdos est assez grand et assez compétent pour... Parce qu'à la fin de la saison, celui-là, il vaudra très très cher probablement. Bien sûr, à la fin du match, nous vous actualiserons le classement. Eh bien, on peut le dire, il a tenu près de 75 minutes Tale Oumaga. C'est donc un homme en forme qui était sur le terrain aujourd'hui. Il est remplacé à l'instant par Clément Marienval.